Thank you.
Olga Volkova au violon,
Jonna Pulkkinen au violoncelle, Ashot Khachaturian au piano, trois jeunes talents de la chapelle musicale Reine Elisabeth, où nous sommes en direct cet après-midi. Nous venons de les entendre dans le trio numéro 5 en ré majeur de Beethoven avec son fameux mouvement lent, ce largo dont les trémolos chatoyants du piano et l'atmosphère morbide ont fait dire à Karl Czerny, étudiant surdoué de Beethoven, que c'était une apparition des enfers. C'est d'ailleurs depuis cet énoncé que le trio a été connu de façon générale sous le nom de Trio des Esprits. On m'a signalé qu'il y a eu une petite coupure en début de concert. Alors, toutes nos excuses pour ceux qui ont été victimes de cette petite coupure. Je pense que maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Nous allons accueillir à présent trois nouveaux interprètes. Katharina van Drogenbroek, qui est mezzo-soprano. Il y a Miguel da Silva, alto, et Philippe Riga au piano, qui vont nous offrir à présent deux pages vocales de Johannes Brahms. Brahms qui a cultivé toute sa vie le lied comme une sorte de petit jardin privé en marche de ses grandes œuvres symphoniques, ses concertos, sa musique de chambre, ses œuvres pour piano nombreuses. Plusieurs mois, voire des années, pouvaient parfois séparer la composition d'une chanson de sa publication, période pendant laquelle Brahms la retouchait tout en méditant ses mérites. Nous allons entendre deux leads, Geistliches Wiegenlied, berceuse sacrée, et puis Stille Sehnsucht, nostalgie apaisée. Thank you.
Gestilt, Sehnsucht, nostalgie apaisée, suivie à l'instant de la berceuse sacrée Geistliches Wiegenlied, deux superbes chants pour voix de contralto, violon, alto et piano. Deux chants qui atteignent le sublime. Brahms atteint vraiment des régions qu'il avait plutôt jusque-là réservées à ses grandes œuvres chorales avec ses deux belles inspirations. Une version que nous offrait cet après-midi la mezzo-soprano Katharina van Trokenbroek avec pour l'accompagner Miguel da Silva à l'alto et Philippe Riga au piano. Quelques changements d'effectifs encore pour la troisième et dernière œuvre de ce concert. Nous retrouvons maintenant le jeune pianiste Achot Khachatourian et à ses côtés cette fois le quatuor Hermès que nous allons découvrir dans l'une des pages les plus abouties du romantisme musical. Il s'agit du quintet pour piano et cordes en mi bémol majeur de Robert Schumann, véritable acte d'amour écrit, dédié à son épouse Clara. Une œuvre composée pendant cette année 1842, cette fameuse année qui lui a été si féconde. Il faut quand même se rappeler aussi que réunir un quatuor à cordes et un piano peut sembler évident aujourd'hui, tant cette formation musicale a suscité de chefs-d'œuvre, mais cela constituait à l'époque une grande première. Schumann est le véritable créateur du genre. Il précède Brahms et Dvorak, respectivement même de 23 et de 30 ans dans son domaine. Cette œuvre aura donc une descendance fabuleuse et elle servira de modèle pour des compositions similaires de musiciens aussi différents qu'entre autres Berwald, Franck, Dvorak ou Fauré. Superbe partition donc qui est en fait en réalité un véritable concerto pour clavier réduit, comme on l'a souvent fait d'ailleurs au XIXe siècle, réduit à des effectifs de salon. Voici donc les membres du quatuor Hermès et Achot Khachatourian pour nous proposer ce quintet pour piano et cordes en mi bémol majeur, quintet de Robert Schumann.
Thank you.
Au piano, Ashot Khachaturian, jeune élève, jeune talent ici à la chapelle, avec aussi le quatuor Hermès, dans cette merveilleuse version du quintet à clavier de Schumann, sorte de charte du romantisme musical, premier grand chef-d'œuvre conçu ainsi pour le piano et le quatuor à cordes, une œuvre concertante mais aussi solidement charpentée et qui reste un modèle de dynamisme, de fraîcheur, avec sa fantaisie, sa grande liberté d'écriture, un véritable jalon lumineux et indispensable dans l'histoire de la musique de chambre. Un récital qui s'achève ici alors que tous les interprètes de cet après-midi, de ce concert, sont venus rejoindre le quatuor Hermès et Ashot Khachaturian pour un dernier salut. Ils reçoivent également quelques jolis petits bouquets de fleurs. Nous sommes, je vous le rappelle, en direct depuis la nouvelle aile de la chapelle musicale Reine-Élisabeth, cette nouvelle aile, ce nouveau bâtiment prestigieux qui symbolise aussi sans aucun doute le début d'une nouvelle page de l'histoire de la chapelle musicale. Beau projet imaginé en ses débuts par Eugène Isaïe et la Reine-Élisabeth.